Bonjour, bienvenue sur le podcast Au fil des lunes. Je suis Claire Vigrimaud. Je suis hypnologue et professeure de yoga. Vous pouvez me retrouver sur le site clairviyoga.com, clairviyoga.com, où je vous présente toutes mes activités. Toutes les semaines, je reçois des invités dans ce podcast qui nous parlent de leurs activités autour du bien-être, que ce soit l'hypnose, le yoga, le reiki, la sylvothérapie et bien d'autres thèmes encore. Alors sans plus attendre, voici l'épisode du jour. Dans cet épisode, je reçois Fanny, ou Mamzelle Fanny sur Instagram. Ce qui marque quand on rencontre Fanny, c'est son sourire et sa positivité incroyable. Même si derrière son sourire, les larmes ne sont peut-être pas forcément très loin. Car ce qui fait la beauté et le charme de Fanny, c'est aussi cette combinaison magique, qu'on pourrait croire contradictoire de prime abord, entre force et vulnérabilité. Elle a débuté sur les réseaux sociaux en parlant de sa perte de poids. Puis cela a naturellement évolué vers un travail plus profond sur elle-même, autour du développement personnel, des émotions, et des thèmes plus engagés et plus personnels, comme le féminisme et la dépression. Elle nous raconte les dépassements de son envie de mourir, de ce que cette période lui a enseigné, comment cela l'a poussée à se lancer le défi de faire pendant 7 jours quelque chose pour se faire du bien et sortir de sa zone de confort. Hypersensible. Nous discutons aussi de comment accepter sa fragilité, et même en faire une force qui peut être destinée à l'épanouissement des autres. Jardinière des émotions, elle sème ses petites graines pour apprendre à se servir de ce don de connexion intense, avec le beau message qu'elle fait passer, celui que nous ne sommes pas seuls, peu importe où nous en sommes, il existe toujours quelqu'un qui est là pour nous faire du bien, et nous serons toujours là pour quelqu'un. Un épisode pour accepter de passer du rire aux larmes, de la joie à la tristesse, de sa solitude terrée sous sa couette au bout du monde avec une inconnue, et vice-versa, et se dire que c'est beau la vie. Ben bonjour Fanny, je suis enchantée de te recevoir. Tu es Mamzelle Fanny sur Instagram, et puis j'avais repéré ton compte parce que j'aime beaucoup ton attitude à la fois vulnérable dans la positivité. Est-ce que tu peux peut-être te présenter avec tes propres mots et raconter un petit peu à nos auditeurs ton parcours? Alors, tu m'avais déjà dit ça, que j'avais ce double tranchant vulnérabilité et force aussi. Et en effet, je pense que ces deux mots, on va dire, qui peuvent paraître pour beaucoup de personnes à l'opposé. On ne peut pas être vulnérable et forte. Voilà. Et pourtant, je pense que c'est possible pour le coup. Alors moi du coup j'ai 27 ans, je suis assistante sociale à l'éducation nationale dans un collège. Voilà, j'habite Paris depuis pas longtemps, avant j'habitais Bordeaux. Et j'ai commencé un petit peu à être sur les réseaux sociaux. Alors au tout début, il y a quelques années quand j'ai commencé à perdre du poids, parce que j'avais beaucoup de personnes qui venaient me demander des conseils sur ma perte de poids, comment j'avais perdu du poids et tout. Donc, je donnais beaucoup de conseils au début, en fait, sur ça. Et puis, moi, faisant mon travail sur moi-même aussi de mon côté, forcément, mes posts ont aussi un peu évolué pour agrandir ça au développement personnel en général, à la psychologie, aux émotions, à l'hypersensibilité. Mais aussi, pouvoir parler des choses qui sont plus compliquées peut-être, à savoir la dépression, ou des engagements aussi que j'ai personnels, peut-être un peu féministes sur certains bords, on va dire. Voilà. Et justement, par rapport, j'avais lu un de tes posts sur la dépression, sur la façon, les outils que tu avais mis en place pour voir un petit peu la lumière au bout du tunnel. Est-ce que ça, on pourrait en parler de ce sujet-là, sur ce qui t'a fait un petit peu, comme je disais, avancer, voir la vie sous un autre angle? Oui, bien sûr. Alors, en effet, donc moi, j'ai fait 2 dépressions. La toute première, j'avais 17 ans. Donc, c'est 2 dépressions qui sont totalement différentes. C'est-à-dire que même sur la personne que je suis, les 2 dépressions n'ont rien à voir. Elles sont vraiment différentes. Celles que j'ai vécues à 17 ans, c'était surtout un mal-être d'adolescente qui était resté un peu planant, pas parlé, pas dit, et avec vraiment à ce moment-là, malheureusement, une envie de mourir pour le coup, parce que se sentant totalement en décalage
avec le reste du monde et donc c'était assez compliqué. Donc du coup, il y a déjà eu après cette dépression-là et un passage à l'acte, il y avait déjà eu un premier suivi psy qui m'a très clairement totalement changée, où je me suis ouverte, je me suis découverte. Donc vraiment beaucoup de changements. Et puis la deuxième dépression que j'ai faite, donc c'était donc ça fera 2 ans au mois d'avril, donc ça va faire bien un an que j'en suis sortie, on va dire. Là, c'était voilà, pour toute autre chose. Il y avait eu plusieurs événements dans ma vie d'un coup sur une période extrêmement fatiguée. Voilà, il faut savoir que j'ai un sommeil qui entraîne du coup très peu d'heures de sommeil pour le coup, et ce qui fait qu'on a plus de chances en effet bah, de tomber dans des dépressions ou dans des passages à l'acte, parce que le sommeil sur nos émotions a quand même énormément énormément d'importance. Et alors en plus qu'on est hypersensible, voilà. Alors, voilà, donc du coup tout ça sur 1 mois et demi, 2 mois, je m'étais pas rendu compte que j'étais en dépression, pourtant j'avais un suivi. Je m'en suis pas rendu compte, je me suis rendu compte en fait quand je me suis réveillée 4 jours après mon passage à l'acte, et je me suis dit peut-être que ça va pas si bien que ça en fait pour le coup. Et donc là, bah, j'avais continué à suivre ma thérapie, mais il y a eu aussi pour me sentir vivante vraiment. Donc je me rappelle, je me suis fait une liste pendant 7 jours de chaque jour, il fallait que je fasse quelque chose qui me fasse du bien et qui me fasse plaisir. 7 jours après ce réveil-là, et vraiment de, alors ça va être un mot maintenant qui est un peu bateau, mais sortir de ma zone de confort et de faire des choses que j'aurais jamais fait. Par exemple, voilà, je voulais me faire un tatouage depuis très longtemps, je l'avais pas fait. J'ai toujours été intéressée par la photographie, j'avais jamais posé en tant que modèle, donc j'ai posé en tant que modèle. Puis après, j'ai même posé en tant que modèle photo nue. Alors, pour quelqu'un qui était très, très complexé avant, c'était quand même un énorme pas. Puis, je suis partie en voyage seule. Puis, je suis partie en voyage avec une inconnue. Puis, j'ai commencé la danse. J'ai changé de compagnie de théâtre. Et là, voilà, finalement, j'ai déménagé de Bordeaux, où j'avais tout mon ancrage familial et amical, pour venir dans une ville où il fait froid, où il pleut et où je ne connais personne. Donc, voilà. Mais finalement, après, voilà, c'est aussi beaucoup de lecture, de travail sur soi, compréhension de soi, beaucoup. Et finalement, voilà, d'accepter que oui, j'ai une fragilité particulière par rapport à un terrain dépressif déjà qu'il peut y avoir dans la famille, mais aussi par rapport à une hypersensibilité, par rapport à un manque de sommeil. Merci pour cette explication de ton parcours. Et en faisant des choses, comme tu disais, sortir de sa zone de confort, tu as l'impression d'être devenue une autre personne. Ça s'est fait rapidement ou ça a été difficile de faire ces choses-là? Parce que, comme tu disais, voyager seul, poser nu, c'est des choses qui demandent quand même un certain courage. Tu as dû trouver une force à l'intérieur de toi pour les faire. Alors, en fait, je crois que c'est un petit peu c'est l'année dernière où voilà, quand il a fallu que je vienne faire des bilans de fin d'année, comme là, voilà. Et en fait, je me suis dit, ah, mais en fait, j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça, et je m'en étais pas rendu compte. Et en fait, ce qui m'a aidé aussi, bah, ça a été de tenir un journal, ce qu'on appelle de flot de pensée le matin, permet forcément à notre cerveau, donc si nous, on n'a pas une personnalité à l'origine qui est optimiste, ou si on ne force pas notre cerveau à poser notre regard sur tout ce qui se passe de bien et tout ce qu'on réussit, finalement, on ne le voit pas. On n'y fait pas attention, on va poser notre cerveau en tout cas ailleurs. Donc je pense que ça a été comme ça. Ça a été des petits trucs qui se sont faits petit à petit. C'est-à-dire qu'au tout début, j'ai pas voyagé seule directement. Au début, je suis partie seule en voyage, mais par exemple à La Réunion, mais rejoindre ma famille, mais que j'avais pas vue depuis 10 ans. Et sur les 2 semaines où j'y étais, j'ai passé la première semaine avec eux, la deuxième toute seule. Donc ça a été un début. Et après, ça a été en effet de partir avec quelqu'un que je ne connaissais pas. Donc là, du coup, il faut s'adapter à une personnalité qu'on ne connaît pas. Ça nous force aussi au niveau de nos émotions à travailler autre chose. Donc oui, ça s'est fait petit à petit. Et au tout début, par exemple, poser nu, je l'ai fait. Au début, j'ai posé habillée femme, ce qui était déjà, j'étais déjà plus à l'aise. Et ensuite, j'ai posé nu avec un photographe homme, mais pour qui vraiment les photos, je les trouvais tellement sublimes, tellement belles, poétiques, sensibles,
nu, pas nu, enfin, il n'y avait plus de. Voilà, c'était vraiment. Voilà, donc ça a été en effet par petites étapes, et c'est là où c'est important. Souvent, les gens, au moment des résolutions là, de début d'année, veulent tout de suite faire des choses de dingue d'un coup, et du coup, tiennent pas parce que le challenge est tellement haut et qu'il faut commencer par des petits pas. Enfin, moi, par exemple, qui ai perdu 20 kilos, j'ai pas d'un seul coup et perdu 20 kilos et mangé bio et fait attention à mon sucre et fait du sport 4 fois par semaine. Enfin, non. Sinon, j'aurais tenu 2 semaines, je pense. D'accord. J'avais envie aussi de te poser une question. On voit vraiment ton sourire sur Instagram et puis tu parlais du journal de gratitude, du journal de flow. Tu as des Ouais. pratiques au quotidien que tu fais pour justement avoir ce sourire et puis pour gérer ton hypersensibilité? Déjà, le flot de pensée m'a vraiment beaucoup aidée. Alors, le flot de pensée, je l'avais fait en fait il y a quelques années, puis je l'avais pas tenu. Alors, pourquoi, je sais pas, peut-être je m'en étais lassée. Et je l'ai repris au moment du premier confinement, en fait. Donc, le flot de pensée, pour faire rapide, en gros, il permet vraiment d'être totalement honnête avec ce qu'on ressent et d'écrire de manière un peu totalement intuitive ce qu'on peut ressentir sans réfléchir, sans chercher la créativité, voilà. Donc c'est mieux de le faire le matin parce qu'il y a une certaine énergie le matin qui fait que à la fois on est un peu dans le pâté et du coup on est aussi un peu plus honnête, on n'est pas en train de réfléchir à la belle écriture, à la phrase, à voilà. Et puis le fait d'écrire plutôt que d'écrire à l'ordinateur fait travailler une partie du cerveau qui n'est pas la même au niveau des émotions. Donc, en fait, de commencer le matin en écrivant tout ce qu'on ressent et ce qu'on a besoin, quand c'est pas quelque chose qui est forcément naturel chez nous de se poser les questions sur nos besoins, sur ce qu'on ressent, aide beaucoup. Après, moi, ce qui m'a énormément aidée, c'est ce qu'on appelle l'autocompassion. À partir du moment où j'ai compris que j'avais beaucoup de compassion pour les gens et d'empathie pour les gens et que j'en étais pas capable pour moi-même, et que je faisais gaffe à cette petite voix dans ma tête qui était là pour me dire non mais c'est n'importe quoi, non mais tu vas pas pleurer comme ça, non mais franchement c'est débile. Et je me dis mais attends, mais est-ce que tu parlerais comme ça à ta sœur, à ta mère ou à ta collègue ou à ta voisine? Non. Alors pourquoi tu le fais avec toi-même en fait? Donc ça c'est vraiment quelque chose voilà qui m'a aidée de vraiment dès qu'il y a cette petite voix-là que j'entends d'accueillir que ben, ça va pas. Voilà, je ressens telle émotion, voilà. Mais de ensuite me parler comme si je parlerais en fait à une amie, vraiment, comme si je parlerais à une amie ou à ma sœur. Donc ça, c'est des choses qui aident. Voilà, le journal de gratitude, comme je disais, le fait de poser forcément, c'est son regard sur des choses positives et d'accepter en fait, voilà, d'accepter qu'il y a des moments où ça va pas bien. C'est-à-dire que bah, si j'ai besoin de pleurer 8 heures en position fœtale dans mon lit et de ressembler à un lapin qui a la myxomatose, et ben c'est pas grave quoi. C'est vaut mieux ça que finalement pleurer et en même temps se dire qu'on ne devrait pas pleurer parce que c'est débile et que ça sert à rien et finalement ça va durer 3 jours ou 2 semaines ou 10 ans plutôt que le temps voilà que voilà. Je préfère me dire vas-y je chiale un bon coup cette journée, j'ai le droit, c'est normal de pleurer, c'est normal d'être pas bien et je m'octroie cette journée de pas bien pour demain pouvoir repartir bien finalement. D'accord. Et ton hypersensibilité, c'est quelque chose aussi que tu as appris à écouter et à ne pas renier ça dans la vie quotidienne. Ça se présente comment, par exemple? Oui, en effet, c'est-à-dire que, bah, par exemple, par rapport à tout ce qui est émotions qu'on va dire négatives, donc qui ne sont pas négatives parce qu'il n'y en a aucune, mais qui vont être désagréables, du coup, il y avait déjà le fait de vivre l'émotion, plus le fait de vivre la culpabilité ou la honte de ressentir cette émotion, plus la colère de ressentir cette émotion. Et en fait, quand on n'exprime pas une émotion, finalement, après, on a des émotions secondaires et ça fait des émotions millefeuilles, quoi, on va dire. Et du coup, on ressent dans diverses émotions en même temps. Alors que finalement, je ressens de la tristesse, voilà, je chiale un moment, et après, bah, ça ira mieux. J'accepte aussi d'en parler, voilà, de dire, bah là, ça va pas bien, quand ça va pas bien, de le montrer aussi. Donc ça va être, voilà, soit dans l'écriture. Bon, là, c'est vrai que c'est plus compliqué. Parce que moi, mes exutoires, c'était vraiment le théâtre et la danse. Donc pour le moment, c'est un peu en stand-by, donc du coup, bon, on essaye d'autres exutoires, donc c'est l'écriture, la méditation, le sport aussi. Je pense que chacun peut trouver ses exutoires pour exprimer ses émotions, on va dire sainement, si je peux dire ça comme ça.
Il y en a, ça va être le sport, d'autres, ça va être l'écriture, d'autres, ça va être de crier. Et à partir du moment où on a trouvé notre exutoire, je pense que c'est quand même beaucoup plus simple. Et de surtout de ne pas en fait vouloir gérer ses émotions, de ne pas vouloir les taire parce que ça fait effet cocotte minute en fait. Et c'est pire que tout pour le coup. Donc ouais, j'ai accepté, comme j'ai accepté, et en fait, surtout, le fait de l'accepter, ça nous permet aussi de réorienter, si on peut dire, ses choix amicaux ou ses choix amoureux, de manière de trouver des personnes qui vont l'accepter, qui vont pas nous dire mais non, c'est débile, mais genre tu pleures pour ça ou voilà. Parce que c'est sûr que ça nous aide pas à nous accepter si autour de nous on n'a que des personnes qui nous disent qu'on est martyr, qu'on en fait trop ou quoi que ce soit. Ok. Et on sent que tu as beaucoup appris à la fois par ton parcours, par tes lectures et par ta grande curiosité. Et ces connaissances-là, tu les partages autour de toi? Tu accompagnes des personnes peut-être pour qu'elles se sentent mieux? Bah alors déjà dans mon travail, c'est une de mes principales missions. Voilà, l'assistante sociale au collège, on va dire dans l'imaginaire collectif, l'assistante sociale, elle vient retirer les enfants des parents, hein, voilà. Alors que, enfin bon, voilà, ça c'est dans des cas vraiment d'extrême maltraitance qu'on arrive à des choses comme ça. L'assistante sociale, en tout cas, voilà, l'éducation nationale, moi, ce que j'aime le plus faire dans mon travail, c'est vraiment de travailler avec les jeunes sur leur confiance en soi, sur leur estime de soi, du coup sur leur capacité à s'exprimer, sur la communication non violente, à justement reconnaître leurs émotions, pouvoir faire des médiations entre eux et leurs parents, parce qu'on a une période de la vie où c'est compliqué de parler avec ses parents, compliqué de reconnaître les émotions. Et au niveau du vocabulaire des émotions, ils ont beaucoup de mal. Voilà, ils connaissent certains mots, mais c'est compliqué. Donc ça, c'est vraiment un travail que j'apprécie particulièrement de faire. Et c'est parce que je suis hypersensible et du coup que j'ai cette hypersensibilité-là que je vais reconnaître avant même que les élèves le reconnaissent, quelle émotion là ils ressentent, qu'est-ce qu'il y a derrière, qu'est-ce qu'ils cachent en fait à eux-mêmes. Et le but, c'est de mettre cette hypersensibilité, voilà, à destination de l'épanouissement des autres. Et après, savoir aussi que des fois, on plante juste une petite graine dans la tête de ces jeunes et que potentiellement, ça n'éclora que dans 10, 15, 20 ans, je ne le verrai pas et ce n'est pas très grave. En soi, chacun fait son chemin au moment où il y a besoin. Et après, voilà, j'aide aussi voilà, certaines personnes, en effet, sur Insta, quand elles viennent me parler plus particulièrement et j'accompagne voilà, quand il y a besoin, on me demande voilà, des lectures ou comment j'ai fait ci, comment j'ai fait ça. Et après, voilà, petit à petit, en effet, ce que j'aimerais, c'est en plus de mon travail, de pouvoir vraiment avoir ce coaching à côté, parce que j'ai besoin encore plus d'être dans cet accompagnement des autres et des gens. Et je trouve qu'on a une période de nos vies et du monde en ce moment où, si on n'est pas dans le collectif, si on n'est pas dans la solidarité, si moi qui suis hypersensible et hyper empathique, je ne me sers pas de ce don-là, bah qui le fera quoi aussi. Enfin, si les personnes qui sont profondément connectées aux émotions des autres et à leurs propres émotions, si nous on ne le fait pas, c'est pas Donald Trump qui va le faire par exemple. Voilà, pour être dans un extrême opposé de l'autre. D'accord. Et j'ai une question que j'aime bien aussi poser à mes invités, c'est est-ce que tu as des routines de bien-être, des petites choses que tu fais au quotidien, peut-être de la méditation, l'écriture, c'est vraiment tous les jours, ou est-ce qu'il y a peut-être d'autres petites choses qui rythment ta vie tous les jours? Alors le flot de pensée, le flot de pensée le matin, c'est quasiment tous les jours, ouais, en effet. Alors après, voilà, si vraiment il y a un matin où j'ai rien à écrire, j'écris pas, mais c'est quand même plutôt assez régulier. Après, en général, je fais du sport aussi. Donc soit voilà, ça dépend, soit du sport plus ou moins cardio, ou du sport qui est donc le stomach vacuum, c'est une respiration abdominale au niveau. Voilà, des abdos, donc ça vient aussi travailler le ventre et les abdominaux profonds. Moi, je le fais aussi notamment parce que j'ai un syndrome du côlon irritable, donc du coup, ça permet aussi de bien commencer la journée. Voilà, après, j'aime bien prendre des plantes adaptogènes le matin pour me réveiller, dont du maca, par exemple. Et dans les routines que j'ai plutôt le soir, ben, ça va être là où je vais faire mon journal de gratitude. Et pareil, ça va être une routine plutôt pour préparer le sommeil. Donc là, j'ai plutôt mon latté du soir avec, pareil, mes plantes adaptogènes.
voilà, qui vont être plutôt du reishi, de l'ashwagandha, et puis là du CBD en plus pour essayer de baisser les traitements nombreux que j'ai par rapport à tout ça. Donc, c'est des petites routines en effet qui sont plutôt importantes et qui m'aident à préparer les journées. Et d'ailleurs, quand je suis en vacances et que je n'ai pas ces routines-là, mon énergie est beaucoup plus basse, vraiment. D'accord. Merci pour ces conseils. Et tu as des projets futurs? Tu parlais des accompagnements que tu souhaitais mettre en place. Il y a d'autres choses ou peut-être préciser cela si tu en as envie. Oui, alors là, je viens de lancer un projet. Alors, en fait, moi, j'avais un projet de box par abonnement qui serait des box plutôt de manière holistique, si on peut dire naturopathique holistique, qui soit dans du développement personnel, de la relaxation, de la nutrition, mais avec derrière ce côté sororité, communauté de femmes qui s'entraident entre elles, parce qu'en effet, seule, on va avancer, mais il y a quand même cette communauté, cette importance du groupe dans le changement, le regard des autres et la bienveillance qui, je trouve, voilà, est important. Et donc là, c'est pour ça aussi que j'ai lancé, parce que voilà, on arrive sur une période où on ne sait pas vraiment si on va être confiné, on arrive sur une période qui est de la Saint-Valentin, voilà, qu'on soit pro ou pas Saint-Valentin, qu'on soit célibataire ou pas, c'est pas forcément une période qui est toujours très très simple. Voilà, la semaine prochaine, lundi prochain, c'est le Blue Monday, comme on l'appelle. Donc, le lundi noir de janvier où le moral de tout le monde est en baisse. Donc, c'est lancer un projet de lettres entre femmes qui soutient les femmes. Donc, c'est un projet que j'avais vu qui existait aux États-Unis. Et du coup, je trouvais que ça allait très en lien, voilà, avec ma box. Et une box, soit à s'offrir, soit à offrir à une autre femme, pour le coup. Et là, du coup, bah, c'est des femmes qui expriment une certaine difficulté. Et les femmes qui veulent répondre, bah, du coup, m'envoient leurs lettres. Et moi, du coup, je renvoie bah, un pack de toutes les lettres que j'ai reçues. Donc, à un moment donné, cette personne va recevoir dans sa boîte aux lettres peut-être entre 2 et 15 lettres de 15 femmes différentes qui vont lui écrire pour la soutenir, pour la conseiller, pour être là. Et je trouve que dans une période comme celle-ci, où des fois, quand on n'est pas bien, on peut avoir l'impression d'être seul. On peut avoir l'impression d'être aimé de personne, parce qu'il y a cette fameuse petite voix là qui vient nous dire ça, alors qu'en fait, on n'est jamais seul. Il y a toujours quelqu'un sur cette planète qui est là pour nous faire du bien, pour nous faire plaisir, comme on sera toujours là pour quelqu'un, pour donner un petit peu de rayon de soleil dans sa vie, sans forcément le savoir. Et je trouve ça assez important parce qu'en effet, les idées un peu noires ou cette impression d'être seule ou de n'avoir personne peut très vite arriver finalement. Et du coup, au fait qu'on ne demande pas d'aide, alors qu'il suffirait juste qu'on dise j'ai besoin d'aide pour qu'on se rende compte qu'on n'est réellement pas du tout seul, en fait. C'est un très beau projet en tout cas. Et est-ce que tu as des personnes Merci. qui t'inspirent? Aussi une question que j'aime bien poser, des personnes qui t'inspirent, des modèles pour toi, qu'ils soient toujours vivants ou dans le passé, si tu as des noms qui te viennent en Alors, dans les modèles qui sont plus là, mais qui sont plus là, mais qui pour moi m'ont beaucoup inspirée depuis que je suis au lycée, dans le côté de résilience et de faire du chaos quelque chose de fort et d'engagement, parce que je reste une personne qui est quand même assez passionnée et engagée, c'est Nelson Mandela, très clairement. C'est une personne que j'ai toujours extrêmement admirée. En fait, quand j'étais au lycée, on a travaillé sur le poème Invictus. Et donc, j'ai toujours gardé ce poème en tête qui termine en disant « Je suis le capitaine de mon âme, je suis le maître de mon destin ». Et c'est d'ailleurs les deux phrases que je me suis fait tatouer sur la jambe quelques jours après le réveil de la deuxième répétition, si on peut dire ça comme ça. Donc, c'est vraiment quelqu'un, en effet, que j'ai toujours admiré. Et après, dans les personnes vivantes, on va dire, il y a Angelo Follet, qui est le créateur du compte Instagram Balance ta peur. Où je pense qu'une phrase qui m'a marquée et qui maintenant, même moi, dans mes accompagnements avec les élèves, je les ressors, c'est ta vulnérabilité et ta force. Voilà, parce que, par exemple, moi, mes élèves, quand je leur demande ce qu'ils ressentent comme émotion, alors qu'ils sont en train de pleurer parce qu'ils viennent de se faire harceler ou embêter, ils vont toujours me sortir, ils ont une seule émotion, c'est très bizarre, ils ressentent de la colère, tous. Je leur dis, mais là, tu es en train de pleurer, il y a peut-être de la tristesse quand même derrière. Mais alors, c'est impossible. Alors, plus pour les filles, parce que c'est plus
légitimée par la société qu'une fille ressente de la tristesse et le montre, alors pour un garçon, comment dire que c'est compliqué de reconnaître qu'on ressente de la tristesse, quoi. Donc, ça a vraiment été un conte qui me fait beaucoup de bien sur le fait de la vulnérabilité, c'est une force, mon hypersensibilité, c'est une force, et qui travaille beaucoup autour de l'amour, des relations amoureuses, de l'attachement, de nos peurs, justement. Donc, c'est un très beau conte, pour le coup, qui aide pas mal. D'accord. Voilà. Donc, dans les morts, on va dire, je dirais Nelson Mandela, et dans les vivants, je dirais Angelo Follet, et je dirais aussi Anine, qui est le créateur du jeu Goodbye Comfort Zone, qui a décidé un matin de se dire, eh ben, pendant les 365 prochains jours de l'année, chaque jour, je vais me lancer un défi, une nouvelle chose que j'ai fait. Donc, ça va être de manger bio un jour à manger avec un SDF, à faire un saut en parachute, et voilà. Et pendant 365 jours, il a fait ça. D'ailleurs, cette année, c'est les 5 ans de la plateforme. Donc, assez dingue quand on suit tout son parcours pour le coup. D'accord. Merci beaucoup pour tous ces conseils et peut-être pour finir justement un dernier conseil aux auditeurs ou une phrase que tu auras envie de leur faire passer. Une phrase, qu'est-ce que je pourrais dire, dis donc. Bah, aujourd'hui, c'est la journée d'hypersensibilité. Donc, je pense que la petite phrase que je pourrais dire, c'est, enfin voilà, quelque chose que j'ai déjà dit là beaucoup, c'est de ne pas penser qu'il y a des émotions négatives et positives ou des émotions fortes et faibles. Elles sont toutes là pour nous faire passer un message. Et en fait, quand on commence à comprendre quelle émotion il y a, quel message, quelle partie du corps réagit à telle émotion, ben finalement, c'est assez simple de choisir sa réalité de pensée. Et à partir du moment où on choisit sa réalité de pensée, on choisit du coup comment ça se transpose dans le corps et comment ça se transpose dans nos émotions. Donc, je pense que c'est pour moi la plus belle découverte du genre humain, c'est que si on a réussi à se mettre dans une situation, bah, c'est génial parce que ça veut dire qu'on peut faire tout l'inverse, de manière positive aussi. D'accord. Bah, merci beaucoup pour ce conseil et pour toute cette positivité que tu dégages à la fois dans la conversation qu'on a eue, puis sur ton compte Instagram. Et du coup, si les auditeurs veulent te retrouver, c'est Mamzelle Fanny sur Instagram. Tu as d'autres plateformes que tu as envie de mettre en valeur? C'est ça, Mamzelle Fanny. Et puis le blog, c'est Positif ta vie. Donc il y a le lien de toute façon sur Instagram. Voilà, Mamzelle Fanny sur Facebook aussi. Donc ils peuvent me retrouver sur ces endroits-là. Voilà. Et merci beaucoup en tout cas pour cet échange. C'était très agréable. Merci beaucoup Fanny, et puis passez une belle fin de journée, à bientôt. Merci à Fanny pour cette discussion. Vous trouverez toutes les notes de l'épisode sur le site clairviyoga.com à la rubrique podcast. J'en profite aussi pour vous dire que mon livre 12 promenades au clair des lunes est maintenant disponible. De la lune du loup à la lune des longues nuits, cet ouvrage présente les 12 lunes de l'année selon leur nom traditionnel, en les colorant d'attention propre à l'énergie changeante de la nature et des saisons qui passent. 12 promenades qui invitent à l'introspection et à la poésie. S'accordant avec l'ambiance qu'évoque le nom de ces lunes ainsi baptisées par les Amérindiens, un thème particulier est décliné pour chaque lunaison. Reliant des notions d'Ayurveda, de yoga, de chamanisme, de sylvothérapie, des pratiques de bien-être, ce livre sera comme une carte du ciel nocturne qui révélera à vos yeux et votre cœur comment relier vos étoiles pour y dessiner de sublimes constellations. Plus d'informations sur le site 12promenades.com, 12 en chiffres. À bientôt!